Salut tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur le stream. Alors, suite à les réclamations, en guillemets, qu'on m'a faites, j'augmente un petit peu le niveau général sonore du stream, vous me direz si c'est bien, si c'est trop fort, etc. Sachant que je peux pas aller plus haut avec le micro, donc je suis à fond. Il faut espérer que ce sera assez. Alors, je vais d'abord jeter un petit coup d'œil juste, assez bête, à quelle branche il me manque encore du côté des... Les tier 10, quel tier 10 me manque encore? Ah, évidemment, le Benezia, puisque c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Normalement, il y a encore les CV allemands. Et ça devrait être tout. Après, le split des BBUS, évidemment, quand ça viendra. Oh, je sais même pas si je les grinderai avant qu'ils soient buff. Ah, bon, voilà. Du coup, je vais juste vérifier ça. Puis ensuite, on part pour une petite soirée de bateau, tous ensemble. Bateau qui se fera, bien évidemment. Ok, parfait, ça c'est bon. Je vais afficher quelque chose, ne vous inquiétez pas. En CA italien, histoire de commencer gentiment à avancer dans les croiseurs lourds italiens, parce que j'en suis toujours aux arrêts. J'avoue que j'ai pas joué depuis. Enfin, j'ai joué contre Clan War depuis la semaine passée. Donc, on avance petit. À pas de mini-moise un peu. Mais ce n'est pas grave. Prendre le temps aussi. Souvent, je pourrais très bien freepex la ligne, mais ce serait pas très intéressant, évidemment, de freepex la ligne. Comment spawn game bâtière, yes. C'est Cédric V8, comment tu vas? Bienvenue sur le stream. Salut, salut. Bon. Game bâtière avec un CV, yes. Ça, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est faux. Je vais me rapprocher assez agressivement du centre au début. Après, on se positionnera. Pas de besoin. Je vais voir si je peux pas choper un. J'ai 4 DD. Si on peut en choper un, ça peut être cool. Une petite salle de sap là. PEF! Ce serait pas mal. Salut Verk, comment tu vas? T'es venu sur le stream? Ah, c'est bon. J'étais un petit peu en train de trembler les genoux parce que je voyais mon live qui se lançait pas sur Twitch. Il s'est lancé. On le voit. Parfait! C'est dommage, on a un Fletcher qui a pas mis SE. Ça dit que ça valait pas la peine. 17 000 HP en Fletcher, c'est-à-dire moins qu'un Akizuki. C'est ambitieux. Très ambitieux. Hein. L'idée c'était de me rapprocher de la cape B assez. Bon, il y a un CV donc forcément les sneaky voilà. Utiliser ma smoke de fuite en cas de besoin pour me m'éloigner. Pas moi qui vais y aller, hein, mais. Juste pour dire, il faut quand même qu'on ait quelqu'un quoi. Ce serait bien. Salut Booba, comment tu vas? Bienvenue sur le stream. Faut mettre une salle dans le Fuji, ça vaut la peine, c'est un Fuji. Ah, si j'avais su, j'aurais chargé de la paix, mais 13 km, c'est tout sauf garanti de passer, quoi. On dit qu'à la SAP. Mais à l'achat. Ouais, ça, j'ai besoin de monter mon circuit, mais on va là-bas. Hein. Et c'est le NC à l'achat. C'est assez surprenant. Qui m'aura vu venir sur moi, le monsieur? Je veux pas. Pas me faire prier. Un peu de ça pour Dunsky. Raté. Oups. Il y a l'arrêt ou bien? Non, on a pas besoin de tirer un seul but, magnifique. Ici c'est le Rune et le Fiji. Ok. Dans ce cas, la SAP ça fait toujours autant de travail contre nous. Ouais, on touche.
È stato cacciato il pediniere nemico. C'est plus une question de toucher que de vouloir. Le problème c'est qu'un bonus coil c'est très fin quoi, puis quand c'est anglais, courage. Ce truc qui m'ennuie sur Zara c'est vraiment ses arcs à... Ah, ils sont pas trop en cloche en vrai, c'est pas au tempo ça. C'est pas fou non plus quoi. C'est pas folichon. Ah ouais, est-ce qu'il en prend une? Ouh, pas passé long. Là, il s'en prendre une, le King George. Comme quoi, avec des torpilles qui sont comme range pareil, hein, qui sont spammables. Faut pas hésiter à les balancer un peu quand vous les avez. Ah, c'est le King George de la chauve. Et jusque-là, j'avais pas réalisé qu'ils avaient un King George. La torpille et l'Iowa, ce serait pas très sympa. Yolodin, ça te dérange parce que. Je vais pas arrêter mon tournant, je vais pas prendre des objets pour toi. On trouve les croiseurs italiens, vraiment très bon. Je passe vraiment un bon moment avec, donc j'ai envie de torpiller, mais je sais que je vais choper l'Iowa, donc c'est pas la peine. Jusque là, je les trouve vraiment sympa, alors que j'ai joué le Trento et puis le Zara, les deux, je les trouve très bons. Bon résultat avec, mais en dehors de juste avoir des bons résultats, c'est vraiment des navires qui sont agréables à jouer. La SAP est vraiment utilisable en fait. C'est pas juste un gimmick un peu raté, quoi. C'est vraiment bien. Ça me plaît. Ah, il souffre un peu bâtière, c'est vrai. Bah, il souffre même carrément bâtière. Mais rien d'insurmontable non plus. Quoi. À mon avis. Est-ce que c'est le meilleur coup tier 7? Non, mais. Il y a des atouts en fait. Il y a quand même des atouts qui sont pas négligeables. La SAP fait vraiment mal. C'est pas. Même si t'as un DPM toute la coste, la SAP fait vraiment la différence. Quoi. La mobilité du navire, ses statistiques générales, ça donne vraiment la possibilité d'utiliser la SAP de manière tout à fait ok quoi. C'est pas le genre de gimmick qui sont difficiles à utiliser la SAP. C'est un gimmick efficace et qui marche facilement. Quoi. Bonjour le Musashi, comment tu vas? Bah évidemment le problème c'est que dans les stombres avec un DPM aussi Clacos, il fait pas des grosses games. Quoi. Le Palver se fait défoncer en l'espace de 4 secondes. Voilà quoi. Forcément, ça crée des petits soucis. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Verk? Si t'as grindé la ligne. Une que t'aimes bien. Là, je me juste la smoke parce que bah franchement, j'en ai une sur CD, puis je peux farmer un petit peu le JB sans me faire. Sans me faire emmerder, puis je peux revenir un petit peu plus agressivement. Donc là je mets la smoke, puis j'en ai pas vraiment besoin de la mettre, c'est juste si je l'ai autant me couvrir le temps qu'elle sert. Hein. En tant que je l'ai. Rilasciata cortina fumogena. Faut faire attention, faut pas que je tape. J'ai la mauvaise habitude de taper dans les tourelles avec la paix en fait. En fait il faut que je tape les superstructures. Si je tape dans les tourelles, je peux pas faire grand chose avec la sable quoi. Enfin j'ai même pas faire du tout. Quoi. C'est plus une habitude aussi à choper de vraiment viser la superstructure délibérément. D'éviter de taper les châteaux aussi, ça pourrait être bien. Mais ils ont un blindage qui est vraiment excellent. Enfin, d'être couplé à leur mobilité, c'est vraiment un blindage fou, je trouve. Comparé aux croiseurs du même tiers, c'est vraiment. C'est une autre ligue en fait. C'est pas le même jeu si vous comparez ça à Comment il s'appelle le tier 7 maintenant? New Orleans, merci. Je vais y arriver. Un peu pato et lourdo. Ouais, le Zara, je ne pas pato en tout cas. Perso, c'est vraiment tout sauf pato le Zara. Encore une fois, hein, chacun son avis. Hein, je pas... m'impose pas là-dessus, chacun son avis. Est-ce qu'on aura un down squat un peu mal anglais alors là? Parce qu'avec du 203 ça passe. Hein. Il n'y a aucune raison d'aller à la SAP. Le problème c'est qu'on ne voit pas parce qu'il y a une smoke du DD qui a été lâchée. Un peu ennuyant, puis il y a Musashi qui revient agressivement, on va se rééloigner un peu. On va se rééloigner.
Bah, je vais me mettre en marche arrière en attendant de voir si je peux le repeller, le monsieur. Et après, Inch'Allah. Il faut qu'on fasse des dégâts dans la partie, on peut pas se permettre de rester passif jusqu'à la fin là. Si on le fait, ça va être. Une game à zéro quoi. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sont adeptes des games à zéro en général. Bon, je suis scouté. C'est pas grave. Dommage un peu trop sur le rune. C'est un peu compliqué de tirer derrière les îles comme ça, on voit pas où le navire verticalement. Simplifie pas la vie. Okay. Bon, je vais aller chercher agressivement ici, tant pis. Tu peux choper les deux, ça pourrait être cool. Il y a que le FDG sur ce flanc, si tu pas le rule, c'est pas la fin du monde. Salut que Jacques Lebon, comment tu vas? Bienvenue sur le stream. Ouais, j'ai un round de moins. Comme je dis, les torpilles se chargent très vite donc vous pouvez un petit peu les spammer de manière. Enfin, pas de manière forcément aléatoire, mais des endroits où vous pensez que ça pourrait être utile quoi. Ah. Un délai qui se ramène. C'est un délai qui se ramène. On va pas se gêner, hein. Pas où le SDD mais je pense pas qu'il... Ah si il est dans A. C'est pas le Dunsko dans A, d'accord. Ouais, si c'est pas le Dunsko dans A. C'est le Bliskavitsa. Dommage que je sois à la paix. J'aurais dû recharger une salve, je suis un peu con. Pas très finement joué ce soir. Là ce soir c'est logique, trop tard. Chardais pour lui. Pression sur l'arrière de Dunsky parce que je sais que les cuirassés vont faire la pression sur l'avant. Plus faire gaffe à l'Odin, j'espère qu'il me choppera pas. On va utiliser chasseur pour donner un peu d'infos aux alliés. Ouais, c'est pareil. Non, il faut quand même. C'est parfait. Charger de la paix, c'est sûr. Trop tard pour tirer mon grand. Trop en arrière aussi. Bon, là j'ai plus qu'à attendre mon reload qui est terminé. Je pourrais aller chercher les tours à l'arrière, mais seulement s'il y a besoin. Bah, il y a besoin, tant pis. Voilà. Il y avait besoin. Là, ben, le CV vient pour moi, mais j'ai masque d'évasion donc on peut faire lol non. Yo Alex, comment tu vas? Bienvenue sur le stream. Generatore di fumo avviato. Je peux lui dire gentiment non merci au CV, c'est rigolo. Sauter l'Odin, c'est un petit peu emmerdant. Là, si je tire, je suis spot, hein, ça vous savez. Voilà, ça va forcer à tirer. Trop anglais pour faire aucun dégât. Là. Pas 8 km? Ah 8.3. Vous êtes sérieux le gouvernail direct? J'ai eu le passage. Thank you. C'est Brésimi, comment tu vas? Salut sur Steam. Bien et toi? Nickel, merci. Dommage que le Odin n'ait pas été assez naïf pour venir me chercher. Ouais, carrément dommage, mais bon. C'est pas une bonne game, c'est pas une mauvaise game non plus. C'est acceptable.
Mon but en Zara, c'est environ 100 000. 80 000. Ok, c'est ok tiers. Le problème, c'est que c'est beaucoup. Il y a peu de dégâts sur des destroyers, des dégâts valables, surtout des dégâts sur des cuirassés. Ce qui sauve un peu la game, c'est que je tape sur un Donskoy et que je le tue. Enfin, je fais la moitié CPV en. À un navire de tir au-dessus de moi, quoi. En dehors de ça, la game, elle est pas terrible. Enfin, ça partait sur un gros stomp, puis au final ça fait un petit peu ralenti parce que j'ai des alliés qui se sont donnés. Donc la game a duré à peine plus longtemps. Mais sans ça, c'était vraiment une game dégueu. Donc je me plains pas, ça aurait pu être pire. Su pu être clairement pire. Ça aurait pu être mieux. Depuis qu'on a si le Musashi sortait l'Ibuki, ça serait magnifique. On aurait encore plus le temps de mettre une salle dans le CV. Mais faut pas rêver. Il est en train de brûler comme pas possible ou bien il va un flood. Ah, il est mort. Il rip la game. Boum. K. Boum. En général, mes games en croiseur italien ne sont pas des games passionnantes. Il y a des petits plays à gauche à droite avec la façon d'évasion, tout ça, mais c'est des games assez passives. Vous pouvez pas être super agressif ni. Ni vu que vous avez un DPM ou vous farmez plus sur la durée, quoi. Évidemment, comme toujours, il y a des occasions à prendre, mais bon. Rien d'incroyable non plus. Ah bah dis donc le matchmaking, merci, c'est cool, ça fait plaisir. On s'amuse avec toi ce soir. Bâtir. Après ça joue du bon pour la suite quoi. Je crois qu'on va bien s'amuser. 3 dés par side, 1 par cap, c'est bien, on espérera que ce sera le cas aussi dans la partie. Après ça va, il y a assez peu de top tiers donc c'est déjà ça. Le problème c'est que voilà, quand on parle de matchmaking et de choses un petit peu bâclées de la part de Wargaming, Ibuki contre Alaska, je suis désolé, hein, yes, c'est un no match, hein. L'Alaska il écrase l'Ibuki. Ouais, après tu peux quand même mettre des grosses patates, hein, avec, les canons sont précis, l'alpha est pas dégueu, tu peux sortir 10k sur un DD en une salle, hein, c'est quand même énorme. Y'a pas de soucis, Verk. Dédé, t'inquiète, tu vas y arriver. De toute façon, j'avais compris, tu vois, donc y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Prendre le store dans les doigts, ça fait mal. J'ai mal, j'ai beau être matinal. J'ai mal. Bon, on a un DD en face de nous. Faut lui mettre une grosse start. Pour l'instant, je suis spoté, donc arrêtez, je vais éviter de me prendre des tirs à la con. Voilà, on va mettre ça. Il est pas en range de me voir si je tire de toute façon. On va se permettre d'aller chercher la petite sable de sap. Évidemment, quand il est de face, c'est un peu compliqué. On complique un peu la vie. Est-ce qu'on a un radar en histoire pour l'instant ? Non ? On peut l'accélérer trop fort. Ouais, on l'a vu pendant un instant. Ok, là par contre, je suis spoté si je tire. Vas-y. Cependant, voilà, quand même. Il a des arguments, le bateau. Pas de radar en plus, ils en ont un.
Rilasciata cortina fumogena. Voilà, la smoke elle permet beaucoup de choses, c'est cool avec les croiseurs italiens. Si c'était juste des croiseurs avec de la sap, je pense qu'ils seraient beaucoup moins... NON. Ah putain, heureusement il vient de tirer. Vite, faut que je fasse mon demi-tour tout de suite, immédiatement. Non, Yesumor, c'est un Alaska. Vous allez très vite comprendre au moment où il va me tirer dessus pourquoi est-ce que ils ont un énorme avantage, surtout quand je suis pareil d'avoir un Alaska. Bon, bien, j'aurais pu me réangler avant qu'il retire, c'est une très bonne nouvelle. C'est de la été... Ok, on a Jean-Michel Pépal en face apparemment, cool. Vas-y, tire à la chauffe. Tu me overmatches pas du tout, t'inquiète, tire à la chauffe, c'est cool. Merci. Je te remercie de ne pas connaître le jeu. Ah bon, d'accord, ça va, il se corrige au bout de deux salles. Oh, arrêtez de le titiller parce que c'est vraiment pas l'adversaire contre lequel j'ai envie de me battre. On a éliminé le DD, on a la cape, donc aucune raison qu'on aille plus agressivement ici. On va se positionner sur le centre et essayer d'aider contre le Yugo adverse. Ah, quelqu'un d'autre qui m'a tiré dessus. Je suppose. Non, d'accord. C'était quoi? J'ai l'air de tirer en approche, mais je saurais jamais pourquoi. Tant pis. Une fois tant pis. Ok, par contre, si eux font ça, c'est la merde. Parce que si eux décident de se barrer, d'essayer de tomber le flanc A, la game elle est pliée en fait. Donc j'espère que le Sorgotland pourra leur insuffler un tout petit peu de courage de jouer aux jeux vidéo. Ils sont à 4 contre 1, mais c'est de loin pas ingagnable à 4 contre 1 en fait. C'est de loin pas ingagnable, surtout que bah, ils ont deux bas tiers et un middle tiers, là où ils ont un cœur assez top tiers. C'est un FDG, mais. N'empêche, on a même un FDG qui casse du shorts tous les jours, tous les petits matins. Quoi. Tous les jours le matin, parler compliqué, oui. Voilà. Bon. Sinon, vous comptez faire un truc un jour ou bien. Non. Non, vous allez faire comme le Pomerne, quoi. Ça sert à rien. Ce que fait le Pomerne, ça sert à rien. C'est mignon ce que fait le Bipark aussi, mais ça sert à rien. Ça, c'est le syndrome des bébés allemands. Hein. 40% de win rate, ils suscitent toutes les games, après ils disent « Ah bah pourquoi vous avez pas poussé avec moi ?» Je veux dire, oui, on va pousser un flanc gagné, oui, tout à fait. Quelle bonne idée. Ah, le Malidis. Ah non, pas de ramassage, dommage. C'est quoi c'est... Pourquoi plus on avance dans le temps, et plus il y a de joueurs qui YOLO sans aucune raison au milieu de la map? C'est vraiment... Non seulement ça sert à rien, mais en plus ça casse les couilles à tout le monde, parce que... Moi j'aimerais jouer aux jeux vidéo avec mes alliés, pas avec des gens qui font du sous-marin en avance en fait. S'il vous plaît, genre, respectez-vous un peu. Quoi. Parce que c'est chiant. Bon, le Sorgotland a réussi à se faire tort par le Kitakaze. Ça mérite un moison. Ça mérite bien un petit Juman là, du type défoulement. Ça le mérite amplement. Bon, moi qui torpille l'île aussi, c'est peut-être pas le plus malin. En fait, mon but c'est de couvrir le Yugomo. Je pense que le Yugomo Avengers va venir essayer de contest, logiquement. Donc je me mets juste dans une position où je peux lui tirer dessus. Voilà. Bêtement, puisque la sap marche très bien contre les DD. Là, il est en train de contest. Donc on aura le spot dans pas trop longtemps. Ok, on arrive juste à la bordure ici. Il conteste, mais il veut pas aller chercher le dead adverse. Ça marche. C'est un truc que je comprends pas. J'ai torpillé, j'avais clairement un indicateur dans l'île, mais la torpille elle est quand même passée à côté de l'île. Et moi, ouais, torpille à côté de l'île, mais la torpille se prend l'île. C'est à croire que l'indicateur il veut pas dire grand chose. Ah, bon, bah le voilà. Le voilà, le petit bougre. Ah, un petit bougre qui n'accélère pas, tiens. Du coup, il est en train de torpiller, il nous faut du dodge à un quart. Ah non, c'est juste notre Yugomo qui a. Ok. C'est bien joué de la part du Yugomo adverse et c'est joué comme une pince de la part du Yugomo allié. Quoi qu'il le respot parce que. Oh, ok. Ouais. C'était bien joué parce que le Yugomo s'est fait spot. Il a vu que le Yugomo allié allait réaccélérer. Du coup, lui-même, il a pas commencé à tirer. Mais après, il a commencé à tirer pour aucune raison. Le ramassage. Non. Ah, quand tu sais pas tirer, on ramasse pas en général. Non.
Ben, c'est rare. Oui, oui, je sais. Je sais, mais laissez-moi tranquille, j'arrive pas à tirer. L'adversaire le plus dangereux, c'est l'Alaska. Le flanc droit s'est fait écraser sans opposer aucune résistance, ils ont perdu 0 HP en face. Quelle surprise! C'est quand même génial d'avoir des alliés qui sont absolument incapables de gagner un V1. Ah bah c'est cool quoi, ça fait plaisir. Du coup on se retrouve dans un crossfire, hein. Si vous vous demandez pourquoi j'ai déjà ça avant. Hein. Bah regardez la situation quoi, on a des adversaires au sud, des adversaires à droite, donc on est dans un crossfire. Voilà. Voilà pourquoi vous pouvez pas abandonner votre flanc ni vous faire écraser en 4 secondes, sinon bah l'équipe entière elle est dans la merde. Mais bon, c'est... Je sais que le niveau moyen dans les parties en général de réflexion c'est Wear Banana, donc pas de quoi me plaindre. J'ai pas de quoi me plaindre. Ceci c'est le Charles. Le Charles va probablement pas gagner ce qu'il est en train de faire, mais en fait il nous met une énorme épine dans le pied en allant là où il va. Pour l'instant on a BSC, on a la chance que l'Alaska et le Zara, le Palmer de l'Iowa sont très très passifs. Parce que là, à 4, ils gagnent. Hein. Ils gagnent largement sur le flanc droit. Ils ont un avantage de tir et de puissance de feu qui est juste phénoménal. Moi, je peux pas aller chercher un Nelson, encore moins qu'un Kit-Kat à côté. En 1v1, c'est pas possible. Bon, tout ce que je peux faire, c'est aller aider le Charles Allier. À la limite. Parce que comme je dis, si je redescends sur l'Alaska, l'Alaska il va me rouler dessus. Je suis spoté, cool. C'est bon, au moins plus ou moins où est le kit cat adverse, c'est déjà ça. Plus ou moins. On sait qu'il est dans la zone. A mon avis, il est là. Hein. Voilà, il est là, exactement. Voilà ce qui se passe. Là, j'ai l'Iowa sur le flanc gauche, l'Alaska et le Nelson qui vient d'apparaître. Ce que je peux faire, c'est freiner. Voilà, parfait. Si Lugumo va pas spot, eh ben on peut pas jouer. Donc cool, merci mec. Bah, c'est gentil de nous empêcher de jouer Lugumo. Je sais qu'il a le gros du job à faire, mais voilà, je veux dire, à un moment, c'est tout ce qu'il a à faire, c'est littéralement ça quoi, c'est spotter le Kit Kat. Bon, après, évidemment, s'il est de face à moi, le Kit Kat, ben, c'est qui sait jouer. Et ne pas tirer sans se... Enfin bon, bref, il a pas besoin de tirer mais il tire quand même, c'est cool. Ça se passe bien. La game n'est absolument pas dans mes mains en fait, c'est ça qui me frustre quand je suis bâtir dans un croiseur du genre. C'est que la game n'est pas dans mes mains. C'est pas moi qui ai les arguments pour gagner cette partie quand des adversaires aussi forts que l'Alaska. Et pas du tout quoi. Je peux supporter un tout petit peu mes alliés, mais si mes alliés font n'importe quoi, bah je peux pas gagner. Parce que je peux pas outplay la score en vie en fait, c'est impossible. Aucun monde où ça se fait. Quoi. Il a littéralement cliqué sur moi et puis il va m'enculer sévère. Plus que j'ai le Nelson qui me balance de... Putain, il est sérieux. 10% de THP sur 2 obus. Oui. Ah, c'est de lâcher en plus, ça va trop bien. C'est cool les buts britanniques, hein, non. C'est amusant. Si l'Alaska tombe, on a encore une petite chance de gagner la partie. Mais... Faut qu'il tombe et puis moi que je me fasse pas éclater par le Nelson. Ce qui me paraît beaucoup en demander. Ouais bah j'essaye hein. J'essaye. J'essaie mais je sais pas tirer donc. Ouais j'ai essayé à moitié quoi. Ah puis le Charles Martel et le York sont morts contre le Charles Martel au nord. Ah, ça c'est une tristesse sans nom. Ah il me touche même pas, il me pète le gouvernail. Ah ça c'est fun ça. Ah on s'amuse, merci à tous. Ah j'ai pas le choix. Je prépare pas, je peux dire adieu à ma partie.
Problema risolto, signore. Mal Charles. La suite va être fun. Est-ce que le Charles me surclasse largement en termes de mobilité et de puissance de feu? Et d'alliés. Trop bien, cool, merci. Ouais. Mouais. C'est une game à zéro, mais qui a duré, dans laquelle tu peux rien faire. Parce que le matchmaking t'a dit, bah, nique. C'est cool, quoi. Tu veux pas tourner un peu à droite, Nelson, puis avancer? Allez, sois stupide comme mes alliés. Ouais. C'est pour le bon goût. Non, tu veux pas? Tant pis. Au zéro, est-ce que cette torpe arrive à temps, mais... autant y tirer, ça mange pas de pain. Nelson va pouvoir imprimer un nouveau bateau bientôt. Ce que je fais changera pas grand chose. En même temps, j'ai pas vraiment d'autres cibles puisque le char il est à un coup de ma portée. Yes, trop bien, alors. J'essaye de spot le Nelson comme ça, mais ça change rien. Y'a rien à faire. Je spawn sur le side où fallait pas que je spawn pour pouvoir jouer un petit peu au jeu vidéo. C'est vrai que je spawn à gauche, pas sur le flanc A. C'est vrai que la partie s'est jouée. Enfin, la partie. Le stomp s'est joué, pardon. Tant pis! C'est bien dommage. C'est bien dommage, mais. C'est honteux! Des games pareils. C'est honteux. C'est vraiment, c'est des games, tu peux pas jouer, c'est trop bien. Oh, Lugumo, il fait premier, mais. C'est juste. Il est top tier, il a capé. Voilà. Bravo à tous! Bravo! What a player! Non, bah au moins il a joué au jeu vidéo aussi. Je peux pas lui reprocher grand chose avec ce Gomo, il a tenté. Il a essayé de faire des trucs. Le reste de mes alliés qui me donne envie de vomir. C'est ça qui est terrible, c'est que. Ça joue tellement mal que ça t'empêche de jouer au jeu en fait. C'est vrai que c'est ça qui est méga frustrant. C'est vraiment ça que je trouve le plus frustrant de tout. Les games sont merdiques, bon bah c'est la vie, mais c'est vrai que les gens jouent tellement mal au point de t'empêcher toi de jouer, c'est quand même vraiment, vraiment frustrant. Tutti ai posti di combattimento. Je roule une cigarette, c'est pour ça que j'ai mis l'autopilote. Désolé, j'ai pas grand chose à raconter aujourd'hui. Je joue aux jeux vidéo, et voilà. Alors je préfère jouer le flanc nord, parce qu'il y a plus de couverts, il y a plus d'îles auprès desquelles je peux jouer avec un croiseur, préférable. Mais en général, je préfère le flanc nord. Donc c'est. Parce que A, bah, en général, c'est l'autoroute. Il y a une équipe qui gagne, l'autre équipe qui se fait ramasser. Et si ton équipe se fait ramasser en l'espace de 4 salves, forcément toi aussi tu vas finir à la casserole. Donc c'est pas un flanc sur lequel j'ai l'impression que je peux avoir de l'impact. Non. Donc je joue pas là-bas. Ou aussi peu que je peux. Oui, merci. Pilote automatique désactivé, j'ai dit. C'est. En fait, je parle italien, je vous ai pas dit.
Ah aussi ça, il y a toujours plein de bébés au-dessus aussi. Ouais. En général, les bébés, ils évitent C. Je sais pas pourquoi. Aucune raison pour voir, mais ils évitent C. Deux DD, ça fait très peu. Si les deux DD vont sur A, on peut se foutre la game dans le cul. Cool. Bon, perf. Sorry, pardon, tu fais pas. T'avances, tu recules. Profiter de mes torpons de portée, hein, y'a pas de raison. Déjà le bâti qui est là. Je préfère Baltimore Irian à Edinburgh Cleveland. Voilà. En termes de croiseurs topitières, je trouve qu'ils ont un avantage. On va voir comment ça se développe. Aucun de leurs DD n'est allé sur A, ils ont les deux fait le choix un peu intelligent d'aller sur B et C. On a des DD qui étaient AFK jusque là, l'Akizuki va aussi sur A. Je parie pas sur une victoire. Je parie pas sur une victoire parce que nos DD ça va absolument pas quoi branler. Contrairement au leur. J'ai l'air d'avoir au moins une vague idée de quoi faire. Alors DD a quitté C directement. Ah, un perf. Throwing smoke perf. Pas aussi bien que celle des Italiens là, smoke perf par contre, vraiment pas. Voilà, vraiment pas. Bon, il y a des gens qui adorent le perf, moi je suis pas un grand fan du perf. C'est pas un mauvais croiseur, mais c'est pas fou non plus quand même. Mieux qu'un perf. Peut-être que sa smoke est beaucoup plus lente que les Italiens, puis la puissance de feu est pas folle. Bismarck qui a frappé le Fidji. Qu'est-ce que le Fidji reverse faisait dans A? Je sais pas. Je sais pas pourquoi tu voudrais aller te mettre dans A avec un Fidji. Enfin, dans une cape avec un Fidji directement. C'est quoi de faire spot par un DD puis te faire défoncer? En vrai, je peux comprendre qu'aucun DD n'y voulait dans BE Early parce qu'ils ont un Baltimore, donc ils avaient un radar. Donc le clip dans le... Ça, c'est une super position pour utiliser un radar avec un croiseur. Surtout que ça te procure un avantage massif, ça serait dommage de l'utiliser. Hein. Dommage. Pas de torpille. Pas de bol. J'essaie de voir si je peux pas choper le DD adverse à découvert, ça serait cool. Non. La réponse est non. Tiens. Ah, ça c'est Zora, ok. Le Zora s'est rapproché avec ce smoke. Ça me merde un peu ça. C'est pas le DD qui me spot? D'accord, c'est intéressant. C'est toujours le perf ça. Il avait reculé, c'était fait re-smooth apparemment. Pardon. Je pense pas que c'était la meilleure décision de sa part de tirer. Ils ont toujours leur DD, leur DD était assez malin pour pas se faire, faire spotter comme un couillon. Ça étant dit, ça ne donne pas de. C'est pas une grande réussite cognitive, mais. Faire de la ligne droite, c'est pas conseillé, Zora. Et en général, c'est pas le moyen plus efficace de me donner. Passer à la paix. Je peux lui arracher une salle avec Cosita, ça peut être intéressant quand même. D'accord. Une salle en blind. Alors, je dis pas qu'on a l'avantage ici sur C, mais de là à ce que tout le monde... Vous voyez, je vais éviter ça en fait, ça c'est juste insupportable à fight. Enfin bref, c'est un merdier sur mon, je veux pas jouer là-dedans. Juste bien que notre groupe soit un petit peu plus agressif sur la cape, parce que à rester passif comme ça, on va pas y arriver. Je vais me diriger plutôt vers B.
J'allais plutôt vers B. J'ai changé d'avis, je voulais jouer autour de C, mais je vais retourner plutôt vers B. Voilà, donc là j'ai chopé le Benson, mais du coup... En fait j'ai peur parce que là je pense qu'on va perdre notre Benson, parce qu'il a beaucoup moins d'HP que le Benson adverse, bêtement. Et qu'il a le soutien de ses alliés. Là où nous on a quand même avoir Spite pour l'aider. Donc, ouais. Je le donne clairement pas gagnant, monsieur. Bon, si le Benson adverse s'est smoké, pourquoi pas. Parce que je peux pas aller le choper en mode surprise, le adverse. Pas le Benson. Ah, ça sera à nous pinguer en vrai, bon. 14 km, je l'aime bien, mais voilà. Quoi. Je fais ce que je pourrais. Hein. C'est un Benson, s'il touche pas, il est pas très doué. Hein. Bon, faut pas être médisant. Autant leurs Baltimore que leurs Irian sont très mal en point, c'est déjà ça. C'est vraiment le genre de game où c'est pas possible de performer avec un CA italien, plus con. C'est une game où vous avez pas d'occasion, ses adversaires sont tous planqués. Ils sont tous en train de fuir, hein, de manière ou d'une autre. Et puis, vous avez jamais l'occasion sur les DD. C'est vraiment le genre de game très compliqué, je vois pas vraiment où est-ce que le... Bah, n'importe quel croiseur serait mieux parce que, ben... Comme j'ai dit, on a tous les bébêta là qui sont allés au sud comme des mongolos. Et du coup, bah, il n'y a aucune cible sur laquelle tirer. Mais si tu vas au sud, t'as aucun impact sur la partie aussi. Donc, c'est à choix. Tu peux aller rejoindre la farm à des villes au sud. Si t'as envie, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ça ne sera point très efficace dans le but de gagner la partie. Qu'elle aura à dire ce qui me tire dessus, mais pas que. Ouch. Bon, je suis au range. Pour Spike qui est légèrement trop agressif, on va dire. Version police. Hein. Moi j'utilisais ma. Ah, c'est d'accord, c'est le scan qui est dans B. Intéressant ça. Benson en sortir. Mais de ce côté, la smoke du Benson, je pense. Ce que je veux dire, c'est que je vais utiliser ma smoke pour aller me rapprocher au maximum dans la cape, de scanner, et puis mettre le chasseur pour le spotter. Faut attendre que le Benson me le spot. Pas le choix. Ah. Oh, machin, il était spot. Décap même. Ça me met dans une position un peu délicate. Generatore di fumo avviato. Aïe. Ah, j'ai vraiment dodge comme un singe. C'est le chasseur pour voir si on peut pas spotter le scanner. Ou scan, non, je sais pas comment on dirait ça. Mais... Non, il y a dommage. Le Benson se barrait en mode mon cerveau, je l'ai rangé dans ma poche et puis je suis parti avec. Puis je l'ai confondu avec mon goûter quoi. Du coup, j'ai mangé. Puis il s'est barré de B, je sais pas pourquoi. C'est très casse-couille, ça va. Très très casse-couille que le Benson se soit barré pour aucun raison. Ah putain. Ah, mais les débiles ont aidé, c'est vraiment, ça twin des games, c'est super cool quoi. C'est trop bien. Ok, il va passer vers le caillou. Non, faut un dodge. Miaon. Ah ouais, d'accord. Putain, je m'imaginais pas que le massa avait un oeil sur moi comme ça. Bon. Je comprendrais être négligent. Ok, là on est dans la merde. Parce qu'ils ont encore un Bayern sur notre flanc, donc on peut pas pousser ici pour aller les prendre. Du coup, on est pris en tenaille. Trop bien. Ma position préférée, c'est faux.
alta corazzata nemica. Au secours. J'ai l'impression que l'équipe adverse m'aime bien de manière générale. Quand je suis spoté, il y a au moins 3 personnes qui me tirent dessus. C'est cool. C'est cool, j'apprécie. Bravo à tous et merci. Bonsoir, Hour, comment tu vas? Bienvenue sur la scène. On va essayer de tomber le massage de chaussettes si on peut. Massage de chaussettes. Ça, c'est mon carré, prenez celui-là. Bon, on touche la poule, donc au final, ça passe quand même. T'es sérieux, mais gros. Le seul au but de Bismarck qui touche, il met une cita donc. Je crois que le stream va être très court ce soir. J'ai vraiment mieux à faire que de faire ces games, du genre. On se fait chier. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Generatore di fumo avviato. J'espère qu'on peut plus marquer avec ça parce que sinon les secondaires vont terminer. Ah, le scanner est parti danser comme je pensais. Il voulait les torpilles, c'est un peu logique. Avvistata corazzata nemica. Rilasciata cortina fumogena. Lol. Bon. Ils ont vu de vue là, tout ce que je peux faire c'est survivre. Me barrer. Parce que si j'engage le combat même contre le scanner, je vais perdre. Avec 900 HP en même temps, vous me direz, c'est pas surprenant. Ouais, cette citade cul du Bismarck m'a vraiment mis mal quoi. Elle m'a vraiment mis très mal. J'espère que mon équipe puisse sortir le King George là, ce serait vraiment très bien. Je vois le scanner mais je n'ai absolument pas envie d'en engager pour autant. Ouais par contre ce que je pourrais faire ce serait effectivement aller chercher à mettre faire une petite embuscade sur le sur lui ou le scanner. Parce que là ils ont éliminé la. Ils ont éliminé le King George, l'équipe. Gras HP a l'air plutôt bien en vie, je sais pas ce que c'est l'état des HP pour le NC, mais je pense pas que ce sera si dégoût que ça. On va voir si Levin Bra peut tenter quelque chose. Il pourrait réimprimer un nouveau bateau comme il est en train de faire, c'est bien. Parfait. Faut juste pas qu'il se mange mes torpes, ce serait cool. Tout ce que je lui demande. Normalement c'est bon, on est là. Faut juste pas qu'il freine dedans. Quoi. Même passer dans. Tant pis. Ça en est d'un bourreau, normalement il doit pouvoir gérer le scanner, c'est pas de soucis. Si ça me correctement, il n'y a pas de soucis. Sur son flanc en mode coucou, c'est moi.
cheveux sur la soupe. Ah d'accord, ça vient d'un beau radar, ça passe aussi. Parfait. Nickel. Il joue exactement comme je voulais. Bon bah la salve à 6000 dans ce canet, ça va rattraper un petit peu la game. C'est déjà pas mal. Un petit peu, pas beaucoup. Alors, si vous pouvez ne pas terminer le Bayern directement, dans la minute qui vient, comme ça je pourrais récupérer la cape, ce serait super. J'ai doute parce que le temps que j'entre dans la cape, une serre rechargée, vu comme le Bayern sangle, il n'y a pas du tout. La game va pas durer. Voilà. Bon bah j'ai, c'est une victoire. Au final on l'a gagné. Au final c'est gagné. Ça reste pas terrible. Celui-là c'est d'XP pour la Malfi du coup. 105 000, ah oui, c'est un moment que j'ai assez d'XP. Je pensais qu'il fallait plus. Non mais. Non. Alors. On dit comment la balistique devenait un peu plus tendue au tir 8. J'espère que c'est vrai. J'espère que c'est vrai parce que si oui, ça veut dire que je pourrais utiliser la viande reco AK à la girafe. Comme dirait notre cher Doge. Comment on coupe 25 doubles on reprend. Hop. Une rush. Sur un tournant pour une smoke en plus. Et expérience de simulation. Oui merci. Non, je pense pas qu'on est dessus là non. Ça dit tout, pif gaz, hop. Comme Camo, on va lui mettre un chasseur bêtement. Hop. Et on devrait être bon. Logiquement. Nickel. Alors, cette fois on a 9 canons. Avec 16 secondes de reload. Bah, ça améliore pas le reload, hein, s'il n'y a pas de doute. 11.3. 39.9. Okay. Ça me paraît honnête. Bam bam bam. On est le tiers, c'est pas de surprise. Moi ces games là en tier 10 je sais pas, ça, ça existe pas dans les games tier 10. Quand je fais du tier 10 c'est full tier 10 uniquement, point. Une game sur 40 environ c'est ça. Et ben, on commence par l'arme des croiseurs, ça va être bien quoi. Moi je suis pour la diversité tout ça, mais épicentre, l'arme des croiseurs sur un épicentre, bon, je m'en passerai bien quoi. Cordialement. Le gouvernail est quand même déjà sacrément plus long que sur Zora. Mais bon, 42 000 HP, c'est beaucoup. C'est beaucoup 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 pour un tier 8. C'est ça glisse. On a toujours eu triple ou bien triple ou quadruple. Quadruple. Quelle bonne nouvelle.
Oui, pourquoi pas. Ça va plus. Ok. Toujours même range, même dégâts, oui, même vitesse. Mais il y en a 4 par bord. Ok. C'est la balistique est effectivement plus tendue, je pourrais prendre la girafe, mais pour l'instant je la prends pas, histoire de tester ça. Pour une game, c'est pas la fin de game. On va jouer l'extérieur évidemment par ici. Bon, 4 DD par contre. Stop it le jeu, hein, get some help. Personne ne s'amuse, par pitié. Attention, je pense que dans 2 minutes top chrono, il y aura au moins 4 DD morts. D'un côté ou de l'autre, des deux côtés. J'estime leur moyenne de survie, enfin leur durée maximale de survie à CDD à environ 5 minutes. Et encore, je suis très généreux. Encore que c'est de l'épicent, donc peut-être qu'ils vont pas les suicider directement dans le spawn de dés adverses. Peut-être. Par pur miracle, ils vont pas le faire. Je crois pas, mais on sait jamais. La personne en face que Nyona. Je crois un peu. Les gens ils aiment bien combattre jusqu'à la pitié et se tirer la boue comme ça. Ah d'accord. Ok, ok, salut. Non, je pense pas, non. Heureusement que c'est de la chaux. Allarme incendio. Heureusement que c'est de la chope. Problème risolto, signore. Ok, je pensais pas qu'il pouvait arriver aussi vite derrière ce coin de l'île. Donc ouais, on apprend tous les jours. C'est bien. Maximiser le temps de smoke, on va pas se barrer en ligne droite vis-à-vis du jambard. Ah, tu vois, regardez sur la map en fait, où sont les gens. Mon jambard est une case et demie derrière. Donc, c'est ça que je m'attendais pas à voir le jambard ici. Mais bon. Bon, c'est vrai qu'il est vraiment en train de rusher comme un idiot en fait, donc c'est pas si surprenant quand on sait ça. J'aurais déjà pu tirer en fait, parce que c'est peu probable qu'ils aient un DD qui soit en train de spot pour lui. Bon, moi il est en plein dans mes torpilles, c'est bien ça. C'est sérieux. Mon gouvernail au secours quoi. Oh là là. On prend 2. Très bien, sa force là. Si le gouvernail est aussi fragile que ça, qui pète sur le premier rebut d'HE 150 mm. Effectivement, je pourrais passer sur la girafe après. Parce que balistique est beaucoup plus agréable à jouer. Si le gouvernail pète sur ça, je pense que je vais prendre la stand parce que ce sera très utile. Okay. 4 rebuts sur 9 à cette distance. J'ai un peu envie de pleurer là. J'ai un peu envie de pleurer. Nous avons Yoshi lol qui sert à rien sur l'extérieur. C'est ça. Alors, le premier mort, c'est un cuirassé. Comme quoi j'ai menti. Ou le jeu me fait mentir plutôt. Aucun DD n'est mort. Pour l'instant. Franchement, ça tient du miracle. Hein. Ça tient carrément du miracle. On n'a aucun DD mort pour l'instant. Avec la range relativement limitée. Relativement, je dirais. La mine, il va kiffer avec son gladage en papier contre un qui, il va kiffer, je pense. Ou qui, Massachusetts, surtout. Je pensais qu'il retournera à droite. Mais il n'y a aucune raison pour tout ça. De toute façon, j'ai pas la range. De toute façon, j'ai pas la portée.
Voilà. 4 cuirassés morts, d'accord. 4 cuirassés morts au bout de 6 minutes, on n'est pas dans ma prédiction, c'est juste pas la bonne classe. C'était juste pas la bonne classe. Il a un quart ce fantasque ou bien? C'est moi qui surestime la vitesse du fantasque. Je crois bien que je surestime. Comme dit, alors Yoshino qui sert à rien. C'est pas une surprise, en même temps il joue Yoshino, donc forcément on a vu plus utile comme navire. Ok, juste que le Lightning ne bouffe pas une de mes torpes, ça me fait plaisir. Enfin, c'est à moi de regarder où je dois y tirer, mais je pensais pas qu'ils allaient repousser leur Stargutland aussi facilement. Plutôt que de les laisser barrer comme ça, aussi vite. Oh, on a un minot juste là. Ouh, ça vaut la peine de changer de la paix. Ah, ouais. Encore spot, mais j'ai pas parti. Terrible. Salut la fille. Salut mon connard, comment tu vas? Merci pour le raid, mec. Merci beaucoup. J'espère que ton stream s'est bien passé. Et que tout va bien. Et je recherche de la paix au moment où le fantasme fait spot. Genre. FML, quoi. Bon, YOLO, parce que sinon la partie, la game encore une game à zéro, ça suffit. Ça suffit, j'en ai marre. Arrêtez avec les stomps. JPP, remballez-vous, stomp, j'en ai marre. Oh, mais qu'est-ce qui branle ce minot? Mais. Bon, bah, ligne droite, non? Bonsoir à tous, merci, canard. Merci beaucoup. J'espère que ton stream s'est très bien passé. Michael DPM de merde, il a ce bateau. Secours! Laissez-moi tirer, je veux tirer! Voilà, merci. Rilasciata cortina fumogena. On me dirait il peut pas tout avoir, mais bon. 16 secondes de reload, ça fait mal quand même. Quoi. 16 secondes de reload, ça fait mal. Un peu mes cordes d'ailleurs. On va changer de la sap, c'est vrai. Oh, ils ont encore 3 cuirassés full. Pourquoi ça ne me surprend pas? Il y en a 2 qui sont suicidés et 3 autres sont full HP. C'est. Putain. C'est vraiment World of Warships ces jours, c'est tout le temps ça quoi. C'est impressionnant. Je veux bien qu'ils peuvent pas retenir un flanc eux tout seuls, mais de là à se barrer alors qu'ils sont full HP, bon, à un moment. Arrêtez, quoi. Faut arrêter, personne ne vous croit. Putain, alors là, merci. Super éclairage, c'est réaliste au moins, ça y a pas de doute, mais j'aimerais voir l'adversaire. Pas avoir l'impression de regarder droit dans une flashbang, si possible. La nostra vittoria è vicina. Si ça vous dérange pas. Bah évidemment. On peut un peu faire égaucher 406, mais un petit peu. C'est pas la... c'est pas du blanc d'acharné ça. C'est logique, vous me direz. Faut pas être trop ambitieux sur ce qu'on veut tanker. Un peu des croiseurs lourds avec une arme de croiseur léger, c'est pas directement. Ah mais barrez-vous encore plus loin, faut sauver des HP pour la partie suivante. Hein. Secours. Secours.
Au secours, c'est game. Pour ceux qui viennent du raid, je sais pas si c'est ça qui ressemble à les parties de Daffy, mais... Si c'est le cas, je serais rassuré de voir que c'est pas que moi, quoi. Jusque là, c'est vraiment... pathétique. Je sais qu'on me répondra que c'est dimanche soir, mais plus on avance, au moins c'est juste le dimanche, et c'est plutôt tous les jours, quoi. Non, pas de ramassage par ici. Je vais clairement prendre l'avion de recours la prochaine fois. Ah, peut-être. Petit ramassage là, allez. Allez. La corazzata nemica sta colando a picco. Ramassé. Bon, ce que j'aime bien avec la Malfi au moins, c'est qu'on a la majorité. Enfin, la majorité. Les deux tiers de la puissance de feu qui sont à l'avant. Contrairement aux Zara où c'est du 50-50. C'est pas grand chose, c'est déjà ça. Bon, la game est finie. C'est pas brillant. Bah tout est bien, mais la partie est compliquée. Oui, c'est clair, je te verrai. C'est clair. Bon. Je prends une leaderboard avec 1700 d'XP brut. Au secours. Bon, la game, personne ne s'amuse. Bien mal. J'ai une touche de mon clavier qui déconne. Enfin, de mon clavier, de mon maçon dedans. Non. On va récupérer les conteneurs. Un petit super conteneur, ça fait longtemps. Allez, VG. Non, encore. Chardet. C'est bien dommage. Allez, voilà. Je vous ai demandé. Un peu d'acier. Ah, on sait jamais. Après tout. Streamer RNG. Bon, c'est toujours le premium. Ok, je prends. Ah, parfait. Alors, au vu de la balistique du bateau, on va prendre l'avion de reco. Paf. J'ai bien pris sur un tournant, il y avait deux smokes de base du bateau. Ouais. Ah, c'est parti. C'est type 1. Alors, bon, pas l'autière au moins, déjà ça. Oh, la division B en face, c'est... Ouh. Ça c'est les bonnes divisions quoi. Georgia, Jean-Bar. Ça sent le PayPal par ici. Ça sent le jour expérimenté là. Tutti ai posti di combattimento. Bon, un peu plus sur le flanc droit. On est 5 sur ce flanc, non les délais sont pas FK par pitié, s'il te plaît. On va pas FK, on a besoin de toi pour contrôler ici. S'il te plaît. Ne fais pas ça. Merci. Parce que assez rigolo, c'est vrai que je suis plus rapide que le Sturgotland, limite, donc Apporter un soutien quand il n'y a pas de CV, intéressant. Tu vas quand même pas te barrer. Oh mais JPP. Mais joue ton putain de flanc, mais c'est pas croyable. Oh. Putain, au secours.
trop bien. C'est nickel, comme ça la capacité on se la fout dans le cul, le flancé aussi apparemment. Mais vraiment, c'est, on vous demande pas grand chose, jouez le flanc sur lequel vous avez popé, c'est pas compliqué. Tu vas faire quoi? C'est quoi ton plan? Tu vas traverser la carte avec un Östergötland pour aller sur A. C'est ça le plan, d'accord. Non mais ça marche. Bah t'inquiète, hein, tu commenceras à jouer dans 5 minutes quand la partie sera déjà pliée, c'est cool. Tout va bien, t'inquiète. Ok, ça va, je suis stuck. Intéressant, je vois. Cyclone. Ah, c'est pour rajouter un peu de fun au fun, ça. Voilà. Ça donne pas envie, non, ça me donne envie de vous souhaiter bonne soirée après cette partie et puis d'aller regarder mon animé. Parce que moi, au moins, j'ai la garantie de m'amuser devant mon animé. Là où les parties ce soir me donnent envie de me donner de l'urtica. Ça me donne clairement de l'urtica. C'est pour ça en fait que je stream carrément pas sur ma chaîne, c'est parce que le jeu en ce moment il me fait pas envie. Vraiment. Je disais en mode je suis hypé, je commence à jouer des games. Première game, déjà elle me casse l'envie complètement en fait. Mais complètement, elle me casse complètement l'envie de jouer. Et c'est super chiant parce que j'ai bien envie de streamer, d'hyper les gens, mais bon. Je vois bien que. Je vois que c'est pas forcément réciproque. Le jeu il veut pas. Et quand je veux pas, c'est vraiment chiant. Yo Ludwig, comment tu vas? Tu vas stream? Bon, le Survotland par contre pour ton play à la con, désolé. Même chose pour le FDG aussi, vous méritez clairement. Restez sur votre putain de flanc quand vous spawnez là. Et jouez la game. Histoire juste que les autres personnes puissent aussi jouer au jeu. Je pense pas que ce soit beaucoup demandé quoi. Générateur de fumo avviato. Ah, je prends le qui tire, c'est bien. Oui, mais oui, j'ai une chaîne perso Twitch avec le même pseudo que celui que tu m'as fait. Voilà ce que j'attendais. Merci Amalfi. Et même mon bateau, il a de la paix. Hein. Je vais mettre ma salle. Ouh, putain, Sinop. Sinop, il va m'arracher quelques pèvres. Merci. Merci la tourelle. Problema risolto, signore. Je vais recharger de la sap, je voulais tirer maintenant. Et oui, j'ai une chaîne perso. C'est vrai que... En vrai, il n'y a que mon horaire de dimanche soir où je stream sur OZFR. Le reste, si je dois streamer, je streamerai sur ma chaîne. Pour des raisons que je tairai. Rien à voir avec je suis pas du tout en grippe avec personne, hein, y a pas de soucis, hein, c'est juste que... Pour être transparent, c'est après avoir mis autant d'heures dans la OZFR, bah j'aimerais aussi en... développer mon propre truc, quoi. Merci de vie. Voilà, puis disons que mon horaire de dimanche soir n'a pas l'air de faire particulièrement plaire, donc si je veux streamer, bah ce sera sur ma chaîne, un horaire un peu plus probant. C'est vrai que ma régularité pose souci, soit, mais bon. De là à faire la moitié de l'audience normale, mais en plus de ça, d'avoir deux personnes qui parlent. Bah, j'ai bien remarqué que l'horaire a quand même une grande importance, quoi. Il suffit que tu commences à 18h, puis t'as déjà un petit peu plus de monde. Là où le soir, typiquement le dimanche soir, les gens sont tous devant la télé. Ah, vous êtes quand même du monde, hein, mais c'est juste que j'ai d'autres des streams où j'ai moins de monde, mais plus de personnes qui parlent, puis je préfère avoir un peu de monde, histoire de pouvoir rebondir, parce que parler seul pendant 2 heures, ça devient vite long. Quoi. Voilà. Ça fait aussi partie de mon renouveau en termes de streamer, c'est que je préfère partager honnêtement mon ressenti avec vous. Vis-à-vis des choses. Ça me paraît plus...
plus intéressant pour tout le monde. Non, pas devant la télé. Pas tout le monde, je dis, mais il y a beaucoup de monde qui est. Dimanche soir, c'est typiquement un soir où il y a des films à télé. Ça paraît un exemple bête, mais voilà, c'est. Pour vous donner une idée de quoi je veux parler, quoi. Bon, on a enfin les adversaires qui se montent, c'est pas mal. Non, c'est une situation un peu gênante où je dois tenir le flanc tout seul. De toute façon, il va me spot. Je suis spot en 11-3. Télé, ça existe toujours. Ça existe toujours, ouais. Ça existe toujours. Gros désarroi de serpent. Par contre, la Malfi qui fait ça, ça m'emmerde un peu. Enfin, surtout qu'on lui permette de faire ça, quoi. De toute façon, je suis pas à portée de le spot, donc ça sert à rien. Je vais être un gros souci le DPM du LQ en derrière, ça. Bon, je suis chargé de la paix en pensant qu'il allait se mettre Broadseed, mais ça n'arrivera pas. J'aurais fait plus avec de la sap. Les gens de notre âge, oui, mais la, les gens de notre âge, c'est de loin pas la majorité de l'audience de la chaîne, lui. L'audience de la chaîne, c'est plutôt 40 ans, en fait. C'est plutôt des gens qu'on a jeunes, lui. Enfin, un peu moins, c'est entre les deux, quoi. Ouais, il arrive ce cyclone, il se fait un peu à dents, hein. Il tape ça quand ça verse. Bah, comme j'ai dit, en fait, c'est notre Ostergutland, notre cher ami au CG, qui nous a niqué entièrement ce flanc, enfin, lui tout seul, simplement en décidant unilatéralement avec son pote de se barrer du flanc. Ils ont passé 5 minutes à faire le tour de la map pour ne rien faire. Ils ont niqué la game à eux tout seuls en faisant ça. C'est quand même pas mal, je trouve, c'est fort. C'est un coup qu'il fallait réussir, quoi. Pas tout le monde est capable. Ah, je prends de la moyenne. Mais ça me surprend pas que mes viewers soient plus jeunes que la moyenne, pour le coup. Parce que bah moi aussi je suis plus jeune que la moyenne, en fait, complètement. Problème risolto, signore. Ah, salut Sinop, ça va? Mange quelques torps, c'est pour m'incir un peu d'abar achevé. Non, je le relève. Pourquoi tu dis je plombe alors? On plombe vers le bas, non? Bah non, c'est marrant, ça, c'est ma logique qui m'a dit ouais, il plombe donc vers le bas. Bah non. Pas forcément du coup. Ouais, lui, c'est ça. Mais bon, là, sur ça avance pas sur ce côté-là, puis c'est eux qui doivent. Moi, je suis en 1v3, hein, je peux pas gagner la partie ici, hein, ça c'est clair. Mais eux, bah, ils avancent pas, ils tuent personne, du coup, bah. La game, elle est finie. Elle s'en fout, peut-être. Ouais, grave. Bref, fourbe. Coucou. Ça va? C'est pas que de la sap sur mon machin, t'as vu? Pas que de la sap sur mon bouse, hein. Après, j'aurais préféré un peu plus que 2 citas, parce qu'avec 2 citas, je vais pas aller loin, quoi. Les bébés sont trop lents, du coup je peux isoler le Cleveland en 1v1. Mais je pense pas gagner contre un Cleveland en 1v1, pour être tout à fait franc. J'ai eu la salve d'entrée, c'est cool, mais c'est tout ce que j'aurais, quoi. Quoique s'il sangle aussi mal que ça, ça peut le faire à la limite. Surtout s'il se barre, je pensais qu'il allait foncer vers moi, mais au final il va pas le faire, donc ok. Là, je prends, thank you. Le Cleveland qui m'offre le flanc. C'était l'adversaire le plus que je redoutais le plus sur le flanc, puis il s'est offert à moi. Donc je dis pas non. Il faut qu'il gagne de l'autre côté, parce que s'il gagne pas, la game elle est pliée. Donc ils éliminent le destroyer. Alors tu vois, moi je me gêne pas vraiment. Je me gênerais d'insulter mon père, oui, mais. Insulter les randoms qui font n'importe quoi. Non, ça va, ça c'est pas un problème. Normalement, de pas faire le move parfait, ça va, c'est pas la fin du monde. Je vais pas.
Ils ont réussi à gagner à gauche, d'accord. Tant mieux. Ça aurait pu être le contraire comme ça. Hein. J'ai aucune information pour savoir ce qui se passait. Donc, tant mieux, ils ont gagné. Bonjour le monarque. Comment vas-tu? Salut tous. J'ai cru que j'allais mettre un goal à tirer tous les obus dans le trou. Vous savez ce qu'on va faire? D'ailleurs, c'est assez rigolo. Alors. Maintenant, ça va être YOLO! Vous allez comprendre. Non. Regardez, on a plus d'humour que ça par ici quand même. Ah, vous voulez que je rame? Non, mais vous êtes pas drôle. Non, on va se rapprocher suffisamment près pour pouvoir lui mettre une grosse tarte à la paix. On va le finir à la torpe. Pourquoi vous voulez que j'aille ramer? Il n'y a pas besoin que je rame. Torpé de rame, mais non. On est plus fin que ça par ici quand même. Bah évidemment, s'il fait ça, il triche un peu, je trouve. Ah bien ici, sale bait. Ah non. Ah le salaud. Ah le synope. Ah la salope en synope. Je l'avais pas vu venir le synope pour le coup. Après s'il sangle, ah bah s'il sangle il s'amuse pas. Ah il est torpille en plein dedans. Il est en train de tourner pour. Ah t'es sérieux, j'ai loupé? Bon ok, j'arrête. Je pensais pas qu'il avait le temps de tourner pour les. De tourner les freins et de tourner. Après, s'il sent que chais. Chais! Le synope, bien joué. Je suis intéressé du coup. C'est dommage. Bah après, voilà, il a bien joué. Il s'est barré. Il allait vers son allié, il a créé un crossfire, c'est bien joué, sympa. On va lui retirer ça. Après, j'aurais juste pu se moquer puis me barrer sur CR aussi. Hein. C'est vrai que. T'as pu ne pas être un gros troll et puis faire ça. Luster Gotland, t'as pas pu con? Sérieusement, est-ce que tu vas prendre une seule décision qui n'est pas stupide? On te demande pas de prendre une bonne décision, on te demande de prendre une décision qui n'est pas stupide. Ah, engager un rune en gunbot, ah oui, ça me paraît malin, surtout quand il reste 6 minutes à la game. Et que t'es le dernier idée en vie. T'as pas pu con? Putain, c'est... Je sais pas. Qui fait le malin vers son bateau? C'est honteux! Buster, j'adore ce navire. Ah, mais j'adore le navire aussi, c'est juste que. Très bon barrage jeté de la part du synope adverse. Très bon barrage jeté. Rien à redire. Très très bon barrage jeté. T'adores moins le joueur. Ah, bah ouais. Bah oui, non, mais bon, il y a un moment, t'es mignon, mais non, quoi. Je. Littéralement, sa game, ça a été ça. Oui, suicide. Bon, à un moment, c'est normal que ça commence à me frustrer en tant que teammate, quoi. C'est-à-dire, on te demande pas des miracles, on te demande juste de pas int la game. Puis ce qu'il fait, bah, c'est du int. Voilà. Comme je dis, c'est pas très compliqué. Un second est passé, il faut que le monarque il meure relativement vite. Puis qu'après, en plus, elle est capée la cap C. Jusque là le monarque a bien joué en vrai. Faut pas lui retirer ça. C'est plus un, il a fait ce qu'il fallait. Ça mérite. Ça un adversaire louable pour moi, hein. C'est juste un peu différent. T'as beau avoir un bon bateau si le commandant est mauvais, bah ouais. Eh ben oui. Comme moi, mon move était un peu dégueulasse, mais j'avais envie de faire un truc rigolo d'une game chiante. Dommage que le monarque n'ait pas été suffisamment stupide pour m'offrir ça. Par contre, tu sais que t'as un. Il va aller au RAM. Non, mais t'as pas besoin d'aller au RAM, le Kronstadt. T'as tellement pas besoin d'aller au RAM en fait. C'est... Il pouvait juste drive by le monarque et puis l'exploser en fait. Mais au... à la place, il va aller au RAM. Ou alors il va pour passer à côté, je sais pas ce qu'il fait. What the fuck? Ouais, bah du coup, on gagne comment la partie maintenant? Bah on peut pas, trop bien. Ouais, DD bien sûr. Mais non, j'avais compris, je t'ai vu. Alors mon move est critiquable, hein, clairement. Je me suis dit, ça pourrait être marrant, quoi. Tant pis.
En vrai, si je l'avais pas fait, j'aurais peut-être pu changer la game en allant qu'à PC. Je veux pas prétendre le contraire. J'aurais pu juste smoker, aller à droite et puis m'éloigner du type et puis aller sur C. Enfin, j'aurais pu. C'est ce que j'aurais dû faire, mais j'étais en mode YOLO. Bon. Au final, pas la fin du monde. Honnêtement, ok, la game se joue limite. J'aurais pu la gagner en prenant la bonne décision. Est-ce que la game se joue sur ça? Non. Non, la game se joue sur le PTGA dans son Ostergotland qui refuse d'aller jouer la partie au début. Et le Friedrich aussi. C'est, je suis désolé, non. Ce que j'aurais pu mieux faire, moi, c'est ça. C'était de pas YOLO puis d'aller sur C. Ok, aucun souci, je le sais. Voilà. Au moment où j'ai commencé à faire mon YOLO, je pensais pas. Mais c'est ce que j'aurais dû faire si j'avais voulu gagner. Bah, je suis comme tout le monde, j'ai pas envie de gagner. Voilà. J'ai un râleur, hein. Bah ouais. Et bah ouais. Oh, cette game me redonne un petit peu l'envie de sourire. Un petit peu. Un tout petit peu. $324 d'XP brut, mon pote. Ah, pardon. Non, attendez. Je vais vérifier quelque chose. Mon brave n'a pas ce qu'il a caché, c'est bien. Bon, 831 parties pour 42% de winrate, ça c'est encore si honnête. Ça, je. Rien à redire là-dessus. 831 parties, voilà. Juste voir le nombre de games de Ostergotland plutôt. 3500 batailles, 44% de winrate. C'est peut-être le moment d'arrêter de changer de clan pour aucune raison. C'est un choix après. Oui, c'est un choix. Salut DJ Motia, merci pour le follow, bien d'avoir. Peut-être le moment, mon cher ami en Ostergotland, de commencer à se réveiller et puis à ne pas faire les décisions les pires possibles. Voilà. Genre engager un rune. Je pense que là, l'équipe pouvait s'en passer. Entre autres. C'est aussi ça, quand vous êtes un DD top tier, vous avez plus de responsabilités que tout le monde vis-à-vis de la partie en fait. Parce que vous avez la possibilité de faire des trucs qui changent la partie. Mais bon, le contrôle des caps, il peut dépendre d'un seul DD en fait. Je dis pas qu'il doit, je dis qu'il peut. Tutti ai posti di combattimento. Si vous êtes pas d'accord, vous avez tort. C'est assez simple. C'est assez simple. Un seul bon DD top tier, il peut vous retourner une partie. Voilà. Un seul bon bébé top tier. Il peut, si l'adversaire est suffisamment stupide, il fait des erreurs. Le DD top tier n'a pas besoin que l'adversaire fasse vraiment des erreurs. Il a juste besoin de sélectionner ses 1v1. Il prend des 1v1, il gagne les 1v1 parce qu'il a juste une meilleure aim, voilà. Ou bien parce qu'il est juste plus haut tier. Et voilà. Après, il prend l'objectif, GG, wellplay, merci au revoir. Le seul truc qui compte un DD, c'est le CV. Voilà. Enfin, qui compte un DD. Oui, il y a les croiseurs radar, mais je veux dire, le seul truc qui peut juste chier sur un DD, peu importe son tier, c'est le CV. C'est tout. Et c'est valable si vous êtes dans tout sauf un land. En termes de puissance de solo carry, vous avez CV, vous avez DD, vous avez croiseur, et ensuite vous avez cuirassé, du plus fort au plus faible. Et il y a une sacrée marge entre CV, une sacrée marge entre DD et croiseur, etc. etc. Ainsi de suite. Comme je pensais. Là, je vais sur B simplement parce que contrôler B, c'est assez important. Le centre aussi. Je pense parce que je pensais bien que Charles Martel allait faire ça. Ça me surprend pas. J'aurais pu aller sur C, mais du coup on aurait eu aucun croiseur sur B. Bon, vu qu'on a pas de DD sur B, parce que le DD a essayé de se barrer. C'est pas forcément la peine. Yo Mako, comment tu vas? Bienvenue sur le stream. Voilà, je suis râleur, mais après 5 ans sur le jeu, 9000 parties, voir les mêmes erreurs répétées en boucle absolument tout le temps, ça commence à devenir un peu chiant quoi. Surtout quand le seul truc à faire, c'est de ne pas faire ce qu'ils font, en fait. C'est ce genre d'erreurs qui sont d'autant plus frustrantes quand tu les vois, parce que bah, mais tout ce que la personne avait à faire, c'était à ne rien faire.
Vous pouvez faire tout sauf ça. C'était... Moi, je trouve quand même que c'est un art de réussir à prendre la pire décision possible sur tous les scénarios possibles. Quoi. Bon, ils ont un balti au bout du caillou. Le problème, c'est que j'ai que des Bismarck pour le déloger, donc ils ne le délogeront jamais. Leur DD a pu rentrer dans B, le nôtre a complètement mis le cap. C'est la cap la plus compliquée à prendre, hein, ça, B. Je dirais pas le contraire, hein, mais c'est aussi la cap la plus importante, quoi. Surtout sur piège. S'il te plaît, les CC italiens. Ouais, CC italiens, je les connais pas, mais enfin, Just Blizzard a l'air sympa. Pardon. Non, les CC italiens me plaisent. Les salles italiennes me plaisent, mais les équipes me donnent envie de gerber. Les salles italiennes me plaisent, mais. Mais les équipes me donnent envie de gerber. Au vu de ce qui se passe dans l'équipe adverse, vous voyez, ils sont tous. Ils sont assez proches, au moins ils sont assez agressifs sur le reste de la ligne, mais ils ont complètement abandonné A. Le problème, c'est qu'on a quoi? On a un Odin, on a un Tirpitz, on a un Charles Martel, un Tallinn. Bon, ça va, on a quand même une navire relativement rapide, mais si on a un Kansas qui était ici, c'est la balle de Kansas qui joue pas de la partie. Assez simple. Je sais pas, c'est les torpilles d'Azachio là qui sont arrivés sur Bismarck? Ah oui, c'est clairement les torpilles d'Azachio. Petite frappe d'Eve, enfin presque. Presque la frappe d'elle dans le Bismarck. Paf! Oui, c'est marqué de moi. Ça risque de se terminer avec toute l'équipe dans un seul carré, ça. Carrément, c'est carrément le risque. Ok, bon. Si le CV ne passe pas de Lightning, je peux rien faire. Okay. Okay. Merci le CV, c'est cool. On a un Perceval un minimum dédié à la partie quand même, parce qu'il essaie quand même de spot le DD. Je sais pas si il préfère se prendre la torpe ou ma sap. Moi à choix j'aurais pris la torpe. À choix j'aurais clairement pris la torpe. Je crois qu'il va. Là il va avoir le choix de prendre les deux. Ok, bien joué le Perceval. Normalement il le sort. Ah non c'est un Lightning. C'est vrai que le Lightning il a sa super accélération de Formule 1 là. Ce qui aide vachement dans les. Les manœuvres contre les équipes CD. Bon. Ça se passe pas si mal, on va gentiment récupérer le contrôle de B. Ils ont déjà perdu le Bismarck et le Balti. Ils ont surtout perdu leur radar, c'est super important. Ben voilà, l'équipe adverse a décidé de pas jouer un flanc, ils vont perdre la partie. Voilà, c'est le même scénario que les 4 dernières games. Une équipe abandonne un flanc, elle perd la game. Voilà, simple, merci, au revoir. Comme qui dirait, c'est tout con. Corazzata nemica individuata. Avvistato incrociatore nemico. C'est un peu comme tirer, c'est tout con. On sait qu'il allait freiner ou essayer de dodge, mais je crois qu'en plus qu'il a réaccéléré au milieu de mon tir. Faut que je remette mes modes pour retirer les splashes dans les obus et puis les obus des incendies tout ça parce que c'est vraiment impossible à voir ce qu'on fait en fait. Enfin, impossible. C'est pas impossible, c'est juste c'est dégueulasse quoi. Ouais je me suis un peu suicidé en faisant ça parce qu'il y a un Chapaïev à moins de 12 km. Je rappelle que le radar des Russes ça porte 12 km, donc faut pas non plus trop faire le malin. Trop malin, on tombe dans le ravin. Là j'adorerais voir le. Petit Chevaïev là. Non, non pas de Chevaïev. Je suis puni. Je salopais parce que c'est pas le Lightning qui m'intéresse. Voilà, c'est lui qui m'intéresse.
veux juste sortir le radar adverse. C'est plus ce qui m'intéresse que sortir le... C'est plus gros danger selon moi. Mais t'es sérieux? Oh. Mais je peux reprendre un incendie. Mais oh là là, mais JPP. Les avions qui perdent ma spot. Pour un fun maximisé. Mal joué, j'aurais quand même dû sortir le lightning en premier. Quelqu'un de CV pouvait me lâcher deux secondes. Je peux pas la signer là. Generatore di fumo avviato. Alors les dés sont très bas, sont très mal en point. Déjà ça au moins à prendre. Avvistato incrociatore nemico. Coucou, je disparais. J'ai tiré ça comme une... vraiment comme une chava. Rilasciata cortina fumogena. Avvistata corazzata nemica. Alors lightning reste un gros problème quoi. Je sais pas si mes torpilles auront la range pour embêter le tirbut. J'aurais eu la reine, j'ai raté. Au moment où j'ai l'angle pour tirer une salve en stealth sur les hyper, paf, il se bat. Le secours. Et puis, on va rester à la sap. Je peux charger de la paix en prévision du hyper, mais. Bah, j'aurais eu. Normalement en face. Illuminer la sap, on dit pas non. Avvistato incrociatore nemico. Dommage. Mais arrêtez de choper. Entre les tourelles en papier, le gouvernail en papier, la Malfi, c'est vraiment pas un modèle de durabilité. Évidemment, quand je recharge de la sap, il se désangle de nouveau. Oh là, mais je peux plus. Il n'y a vraiment tout qu'en papier sur ce bateau. Mais tout. Que le pool HP qui aide un peu. Et encore. Presque une question de point de vue, je pense. Allarme incendio. Je suis dans la merde parce que comme ça, c'est encore en vie. Quoique j'aurais pu ne pas tirer aussi. Disparaître. Cool. Permis d'incendie. Ouh. Il est mis dans une situation un peu compliquée. Non, il taille un bon moteur, mais la carrosserie. Chez Toraz, maintenant, je crois qu'il y a un gros joueur de CV chez Hellraiser. Ouais, Hellraiser et Miester. Très bon joueur de CV. Miester est un peu moins connu, mais. Il est tout aussi. Impressionnant. Après c'est du CV quoi. Fiat made c'est ça. 8500 à la sap ça va sur les pas. Oui mais à la paix j'aurais pu y mettre beaucoup plus.
La P203 ça marche particulièrement bien sur l'hyper. Parce que leur turtle back, bah elle est. Elle retient les. C'est con, mais elle retient les obus de cuirassés facilement. Mais les obus de croiseur, un peu moins. Oh le con, il m'attendait. Ah bah la sable, j'aurais tué. Il m'attendait le hyper. C'est pour ça qu'il aurait les yeux ailleurs, parce qu'il y avait bien assez d'alliés de l'autre côté. Mais non. L'autre, c'est qui par truc? C'est Miester. M-Jester. Miester. C'est Simako. Mais je vais peur. C'est quoi cet angle de caméra? Au secours. Tant pis, on est dedans. Bon. Une torpille, dommage. Zéro torpille, dommage. Dommage, hein, c'est... Il a esquivé mes torps, c'est bien, maintenant il est broadside à toute la flotte. C'est un peu ma malédiction, ça. Mes torpilles, elles ont tapé, mais l'adversaire se dit si je mettais broadside à toute la flotte pour aucune raison. Ah, des torpilles. Bah, c'est pas ah, des torpilles, je vais me mettre broadside, hein, c'est ah, je vais me mettre broadside. Oh, des torpilles. La nostra squadra è in vantaggio. Tant pis. Faut pas de chance, on va dire. Ouais, j'ai pas bien joué cette partie. Pas un endroit où j'ai fait de la merde. J'aurais pu beaucoup mieux jouer que ça. Ce lightning, j'aurais dû le tuer aussi. Hein. Faut pas que j'oublie que j'ai de la sap et pas de la chole, donc si le DD il est pas stupide, il va pas mourir sur mon sap. Enfin, pas mourir. Petit dodge et il sang, voilà quoi. Pas une mauvaise game. Pas une mauvaise game, mais il y avait bien mieux à faire. Bonjour, le service après-vente, oui, c'est pour des games top tier. Non, on est à court de stock. Ah, ok, ça marche. Un seul DD, au secours. Bataille standard, si tu veux, moi. Ma foi. Bon. En ce moment, au niveau matchmaking, il faut jouer le 9. Ouais, je sais. Mais bon. Il n'y a plus que le 9, quoi, c'est tout. C'est full T12 en fait, c'est parce que c'est du, ce serait du matchmaking tier 12, ça va être du tier 12. Ça se base sur cette logique là. Tier 12 ou tier 11, donc que 9 et 10 ou que 10. Pouvait être aussi rapide que le lanceur, ça serait bien. Hein, pas faux. Ça serait un peu fort, non, quand même. Ouh. Nope. Generatore di fumo avviato.
C'est tout, elle pouvait être un peu plus rapide, ce serait cool sur la machine. Il va me falloir expert tireur. Commence par un 8000 d'entrée, c'est pas mal. C'est pour mal. Ça m'a évité de montrer. J'ai claqué ma smoke parce que ça m'a évité de montrer broadside là-bas. Mais c'est vrai qu'elle a un long reload donc. Si t'en as besoin plusieurs fois en. Faut l'utiliser quand tu l'as. C'est rare les games où t'arrives à 0 stack de smoke avec ces croisés. Ça me permet d'aller scout agressivement puis d'aller chercher des angles directs. C'est pas la smoke idéale, mais c'est pas non plus dégueulasse quoi. Je sais pas, genre je presse sur T en mode au secours. Ouais, voilà. Ça c'est un problème, hein. C'est pas normal. Hein. C'est pas normal. Je pense que n'importe qui voudrait des, serait d'accord à prendre d'avoir des temps de jeu plus longs. Si on pouvait avoir un petit peu des matchmaking plus équilibrés. Massa volontaire ou sacrifice, c'est bien. Et c'est rigolo ça. Il est tellement au bout de ma portée que je pouvais tirer sans être spot. Moi, je suis sorti de ma portée de tir, donc ma portée de spot. Ah, il se met broadside au torpille au moment où ils arrivent. Miam, adieu le massa. T'es bien. Câble up. Il a des taux. Il a des taux. On se bat quand même, mais bon, là. Ouais, mais c'est chiant quoi. Être bâtir, ok, c'est pas la fin du monde, mais. Bien pouvoir jouer, je veux dire, c'est le principe du jeu. S'il y a un matchmaking avec des plus 2 moins 2, t'aimerais bien aussi être en plus 2, t'aimerais pas être que en moins 2. C'est pour la diversité aussi, quoi. Tu viens de tirer, m'en fous. C'est vrai que ça va vite, hein, je comprends. C'est vrai que c'est assez vif comme bateau. Bon, les adversaires sont en déficit bateau sur ce flanc, donc c'est eux qui vont se mettre en kite. Où est-ce que je peux aller jouer? On aura des cibles qui seront pas anglais de cul. Plutôt vers le centre. Hein. On va se diriger vers le centre. Bom, bom, bom. Oh, je peux juste girafe et puis lolo. Je sais pas si c'est assez de lead pour un navire qui pression. Ah oui, c'est parfait. Exactement ce qu'il fallait. C'est vrai que c'est lent hein, comme ça. C'est très 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 lent. Bonsoir Alexandre, comment tu vas? Bienvenue sur le stream. Sneaky Biki, my friend. Alors, ce grind, ça se passe. Salut, Jernix, comme tu vois. Il y a une sur le stream. Quick. Miam. Generatore di fumo avviato. Bon, on est bien monté au créneau, maintenant on va un peu se calmer, on va reculer. Ça se passe, les games sont un peu dégueu, mais ça se passe. Même carrément dégueu. Mais le grain est intéressant, les bateaux sont intéressants. C'est le Mogador, mais j'ai qu'une tourelle de disponible.
l'aider un peu. Une seule touche, sérieux? Je peux pas torpiller. C'est Delphine, comment tu vas? Manu sur le stream. Delphine, pas comment ça se dit. Lâche, d'accord, t'as give up à ce point là, toi. Allez, ça. Prendre ça, si vous ne pas l'oublier, par contre, c'est pas de but. Petit bâtard. Petite personne qui t'a dit oui. Un grand, grand, grand oui. Oh, c'est pas le bon. Là, cette game qui se passe à plus de 15 km à Join 4, c'est. Ouh! Fun! Je sais pas ce qui se passe à droite de la map là, mais il y a un conglomérat d'alliés qui fait rien. Je sais pas ce que c'est le plan ou le but, mais je suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Ouais, il me reste plus que Smo, donc faut pas non plus que je sois trop agressif. Pas que je sois inactif, sinon la partie se terminera avant que je joue. Enfin, avant que je fasse un score redescend, on va dire. Bon. Il monte la garde. Non mais je sais pas, mais regardez-moi, c'est quoi ce merdier? Qu'est-ce que vous faites? Je ne comprends pas. On va aller trop d'amir, c'est là. Mais là, bon, on a encore le Mogador. Le Mogador qui vient de nous aider à gérer le Fletcher, je pense. D'une manière ou d'une autre. Oh, tout ce que je cherche, c'est un petit broadside débloqué là. Petite claque dans le cul. Ah non, non, ça c'est le Fletcher par contre. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Le Mogador il s'est barré, j'ai le Fletcher, trop bien, mais au secours. Ok, je pensais que le Mogador allait remonter par le centre, au final que dalle. Absolument pas. C'est ce que je cherchais, merci. Quick. Quick, ça a quand même de la paix, hein, ça déconne pas la paix d'Amalfi. Contrairement à ce que certains voudraient penser. L'Orient va la prendre, apparemment. Ça fait la moitié de THP, 20 000 HP que je t'arrache en hein, deux salles, l'Orient. Commence à t'angler un peu. Avec la chaude d'Ibuki aussi, ça déconne pas. Je commence à respecter un peu. Problema risolto, signore. Abbiamo distrutto un incrociatore nemico. La nostra squadra è in vantaggio. Quick. Quick le New Orleans, quick le Ibuki. Merde, il va planter les freins. Zut. De toute façon, il est mort. Bah, ça va. Au moins, t'es pas tout seul. Ouais, ouais. Ouais, et puis au vu, vu des adversaires, ça va. J'ai pas besoin de trop d'alliés pour les gérer. Ça va. L'Ibuki et New Orleans qui barlotaient, bon, un peu son affaire. Vitesse et une précision qui sont ok. Oui, la mobilité est excellente sur les croiseurs italiens. Puis ils ont beaucoup d'HP hein, pour leur. Malgré leur blindage. Pas en papier mâché, en vrai, c'est pas du papier mâché, mais leur blindage et puis leur profil, ils sont très rapides et puis très, très maniables. Et la précision est excellente. En même temps, il faut avec la sable, sinon vous mettriez juste pas de dégâts. Mais du coup, ça va travailler vraiment votre avantage avec la paix. Si vous chopez un broadside de croiseur, vu la balistique, vous pouvez vraiment mettre des tartes. Yo Seb, comment tu vas? Bienvenue sur le stream. Il y a tout à fait moyen de moyenner, c'est des très bons bateaux ces croiseurs italiens. Je disais, ouais, c'est pas aussi bien qu'à la sortie, j'ai dit, bah putain. J'aurais bien voulu être là à la sortie si c'était encore mieux que ça. Alors c'est un Drake, hein, c'est quand même lourdement blindé, je pense pas que je le passerai. Non, on a la protection anti-torpe et tout ça.
Vraiment qu'il soit full brawl pour que je puisse lui mettre des gros start à la paix. Je pense pas que l'Ibuki. Ah si, hein, l'Ibuki il hésite. Est-ce que je me remets broadside? Je me remets pas broadside? La réponse est oui. Un petit peu, on va dire. Un petit peu. Est-ce que je m'attendais à ce que le Drake fasse, mais il est déjà en anglais comme je craignais. Donc je puisse faire grand chose. Merde, on est sur mes broadside, sérieux? Bon, ce sera cette cas là, la sap. Kaboom. Ok, je peux encore profiter d'une salle avant des spots. Juste peut-être à 8-7 hein, si je vous pose la question. Non, mais t'es sérieux, mais JPP. Ah, l'espoir fait vivre. Bon briquet, le machin, bon briquet. Putain, je tire sur l'Ibuki, c'est l'Ibuki qui explose, quoi. Trop bien. Justement, là, j'ai regardé une vidéo sur Redmond de 5 minutes. Oh, ça veut rien dire. Bah, je suis de cible. Bah, Red. Le Eggy à broadside, bon, bah, c'est broadside ou pas. Assez peu important. Ouais, bon, bah, dommage, il y a une cita qui est passée, quoi. C'est pas de bol. Mais bon, il ne pleura pas de toute façon. Je voulais quand même aller à la tour à l'arrière, puis ça a failli me coûter la vis. J'ai tiré sur tous les deux bus sur les toits, la tour à l'avant, ça passait. Mais tout n'était pas là. Oh, c'est une bonne game. Encore une fois, une plutôt bonne partie. Ça va être là d'ailleurs, je pense. Ça va être ma dernière partie. Eh, on finit sur une game top tier, c'est beau ça. Enfin! Enfin, j'ai le droit de jouer aux jeux vidéo. Quoi. On rigole, on rigole. Bon, j'ai le spawn mort. Ouais, si je peux jouer dans D puis choper un DD. Béton tier 9. 4-5 games encore. 4-5 games. Parties, puis ce sera réglé. On va faire joue sur A, on va aider l'aigle. Puis si on a un DD, on va le satelliser. Comme qui dirait. Puisque j'ai le spawn nord, on va jouer le spawn nord. Mais si le Trento nous aide, on va clairement satelliser le DD. Enfin, à grand coup de 10k dans la tête, ça devrait aller. Ça devrait aller. Enfin, s'ils ont Charles, du coup. Hein. Ils ont plus de mobilité et un peu plus de DPM que nous. Mais ils ont pas d'alpha. Hihi. Hehe boy. Bon et mon et l'autre sur les croisades de secours, du coup ça fait bien. Enfin, vous me parlez en chinois dans le chat. Enfin, vous me parlez en chinois. Je ne gourmande pas, je n'ai pas le QI nécessaire. J'ai surtout aucune idée de ce que c'est surtout. Il est suspouté. Qu'est-ce qu'il va tirer en face d'un car? Not even close, poteau. Manar, Boudiani.
Ah, c'est l'aigle qui explodait. Ok, c'est le lent qui est par là. Je me disais. Génératore di fumo avviato. Bien joué de la part du Hollande. Ce qui n'empêchera pas de parler quelques plumes par ici, mais. Et il a éliminé le DD. Trop bien! Bah, prochaine fois, patiente encore plus avant de smoke l'aigle. Je parle d'une vidéo sur une chaîne d'histoire. Oui, j'avais compris. Voilà, quand on parle de croisade, on parle d'histoire. Quoi. À la limite, on parle de religion, mais. Bon, bah super, le délai s'est fait fermer. Et moi, j'ai eu. Petite occasion de fermer le délai adverse, mais plus petite. Hein. Bon. Là, on va essayer quand même d'éviter la seule. Vu que c'est de la cheveux, on va pas la faire bonus, quoi. Beau barrage de tir de la part de Monarch. Bel exemple de le défi dans son milieu naturel. On rigole. Calmez-vous. On rigole. Incrociatore nemico individuato. Bon, le Land, il a l'air vraiment pas déter du tout à essayer de choper la caméra. Alors, vraiment pas. Juste au cas où. Que fait notre blob de cuirassé en fait là? C'est quoi l'idée? Pourquoi on a 4 cuirassés au nord? On veut savoir ou bien. On veut savoir où on est puni. Qui est reparti en kite. Personne sait trop pourquoi, mais. Pourquoi vous me suivez en fait? Non, je sais pas là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le plan? Le centre a perdu, cool. Encore le bouillon, si tu veux. Il fait quoi le Bugani? C'est. What the fuck? On va vraiment me poser des questions sur cette partie. A tutte le unità, concentrare il fuoco sul bersaglio. T'as l'impression que je suis pas focus en ce moment? Ah, fait chier. Generatore di fumo avviato. Je savais qu'il y avait le land pas loin, mais bon. Et il est jamais dans la cape, peut-être qu'il est reparti. Non. Bien, non. Par contre, on va avoir marche arrière au secours.
Pour le reste, y a pas de problème, on prend la marche arrière en face. Hein. Ok, bah le land est pas loin. Rilasciata cortina fumogena. Ça y est, pas de but. D'accord. Tu sais que je peux te supprimer avec cette salle, hein. Apparemment, il ne le craint pas. Il avait super bien joué jusque-là, le land, puis là, il vient se suicider sur moi, en fait. Je comprends pas le plan. Autant moi, j'ai YOLO dans l'équipe adverse pour essayer de choper le land. C'était le but, hein, c'est de choper le land à tout prix. Et puis, il avait parfaitement réussi à me jobaiten. Au final, il vient se suicider dans moi. Et je ne gamberai même pas. Ah, c'est déjà un petit mot que j'ai focus. Ah, un heal, ça mettrait bien. Salut Cobra. Tu as coup d'overpen ce Dunkerque. J'ai tous mes alliés qui sont morts derrière. What the fuck? L'équipe entière qui a crevé mais sans rien faire quoi. Ok, cool. Ça fait plaisir quoi. On se sent soutenu, c'est ce qui est cool. You got jebaited. La dispersion qui met des zombies dans le cul, mais j'adore quoi. Tout va pour le mieux. Aïe aïe aïe, secours. C'est Frécha. Comment tu vas, bienvenue sur le stream. C'est ingagnable. Vous pouvez voir juste au score, la game est ingagnable. Il n'y a rien à faire. Cette game, il n'y a aucun univers où on peut la gagner. Juste pour faire tilter le Dunkerque. Lul. Zulul. En vrai, s'il me tue, ce sera vraiment le ramen pour le coup. Mais ouais, non, ça prend lui, c'est bien ce que je pensais. Je me disais bien que logiquement, la salle devait prendre lui. Non, mais bon, par contre, ça c'est vraiment de la RNG de PR rouge. Hein. Une touche en obus. Une touche en feu. Ouais. Ça c'est de la RNG de PR rouge de compète. Je vais passer à gauche, à droite. Vous savez quelle heure c'est, hein? C'est l'heure de faire une Paolo Emilio, je crois. Carrément, c'est l'heure de faire une Paolo Emilio. Generatore di fumo avviato. Mais tire! Mais tire! Mais tire! C'est honteux! Tu m'en sors pique, elle dit va te faire foutre! Un peu bien. Bah, je cliquais, mais les torpilles elles ont dit va te faire mettre, mais si fort! Si fortement! Non, mais je suis pas. Non, ça va. J'ai plus que 2 de QI, j'arrive à faire clic gauche, jusque là le jeu il voulait pas. Ouais, bah après j'aurais même pas touché, parce que apparemment au moment où je mourrais c'était fini quoi. Bah bon, j'aurais pas été spot de toute façon, parce que j'étais suffisamment loin. Encore trop de PS hein, à ce qui paraît. Bah bon, voilà, super. En plus d'une game dégueulasse avec une équipe inexistante, on se tape un petit peu, histoire de pas pouvoir jouer au jeu. Je vais aller faire autre chose. Je vais aller faire autre chose de ma soirée. Eh ben, tant pis, Warships. Merci à tous d'avoir regardé le stream. À la prochaine. Excellente fin de soirée à tous.
Remarquer c'est qu'on peut raid. Mais moi je continue pas comme ça, je faut à faire de mon temps. Ça me suffit. Il y a personne d'intéressant en live, tant pis. Ok, ciao ciao tout le monde, bonne soirée, des bisous. À la prochaine, ciao ciao.